La Gemara, elle amène une phrase de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel au niveau de Tréfot. Et la halakha est comme Rabbi Shimon, pas ben Gamliel, à propos de Avelout. Alors la Gemara a dit, ben Avelout, c'est quoi la halakha? On a dit que quand un proche il rentre, il va rejoindre sa famille, même s'il est arrivé le 7e jour du matin, où ils vont aller au cimetière pour faire la Azkara, il a fini avec le deuil. Au moment où il finit, il a fini. Et c'est quoi la halakha comme Rabban Shimon ben Gamliel, Mitrefot? Alors, la intéressant. Si on a l'estomac de l'animal qui a été percé, il y a eu une lecha, comment on dit lecha, ce que l'homme crache. Une glaire. Une glaire. Mais il y a des glaires qui sont très, ils ne sont pas liquides, ils sont durs, comme de la colle. Et elle est venue et s'est mise sur ce trou qu'il y a eu dans les poumons. Elle est rentrée là-bas avec l'air qui passe et elle a bloqué. Alors, le chidouche de Rabban Gamliel, il dit comme cette glaire, elle ne se dilue pas, elle reste là-bas sur place. En fait, c'est comme si tu dirais une glaire qui devient un truc cancéreux. Tu vois, il bloque. Donc, il dit comme l'animal peut vivre plus que 12 mois, parce qu'elle n'a pas ses poumons qui sont perdus, elle n'a pas les intestins qui sont percés, donc elle peut vivre 12 mois, elle est cachée. Chachamim, ils sont d'accord, point de vue médecine, ils sont d'accord avec les Rabban Shimon Gamliel là-dessus. Sauf qu'eux, ils disent, comme il y a eu des précédents, il y a eu des cas où cette glaire, elle a été diluée, elle est tombée de là-bas avec le temps. Donc, ils disent, tu ne peux pas autoriser de là tous les dynimes de quand il y a une glaire qui se met dans l'endroit où ça a été bloqué. Maintenant, qu'est-ce que lui demande? Lui demande Rabban Shimon Gamliel, comment tu sais si elle peut partir ou si elle ne peut pas partir? Il te dit, c'est simple. Quand tu prends l'animal après que tu l'as égorgé, tu prends le poumon, tu prends l'estomac, il dit, il faut que tu vois qu'avec un couteau, tu t'attrapes et elle attrape, elle ne bouge pas. Il dit, là, elle est cachère. Là, elle est cachère. La Gemara raconte, alors regardez dans les mots, trois lignes avant les lignes larges. Amar Rabbi Yochanan, la Rabbi Shimon ben Gamliel betrefot, la Rabbi Shimon ben Avel. La Gemara dit, qui Rabbi Shimon ben Avel, adé Amaran, qui Rabban Shimon ben Gamliel betrefot, netnan, bené me'aim shenikehu, velecha sot matan, keshera divre, Rabban Shimon ben Gamliel, ma'i lecha, c'est quoi la lecha? Amar Rav Kahana, shirka di ma'aya, denafik agav duhka. Cette glaire qui se colle dans le trou des intestins et qu'elle sort que avec un couteau. Amar man deru izke ve'esik ve'agmer lishmata mepume demare. Il y a un haram qui a entendu cette phrase parce que quand même c'était un chidouche de comprenez, un animal qui a les poumons percés ou qui a l'estomac percé, il est taref. Tout le monde sait que c'est taref. Tout d'un coup, tu viens, tu nous dis que s'il y a une glaire qui s'est collée, c'est comme un pansement. Et il devient cacheur. Alors, il a dit, je dois apprendre cette halakha de son auteur. Qui c'est l'auteur? Alors, il est parti, il a voyagé chez Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chiya Bar Abba qui a dit cette halakha. Amar mor halakha ki Rabban Shimon ben Gamliel betrefot. Il lui a dit, est-ce que c'est toi qui as dit que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel dans les trésors? Parce qu'il faut savoir que ça a été dit au nom de Rabbi Yochanan. Le plus fort dans tout le Talmud de Babli et Yerushalmi dans Ichot Trefot, c'est qui? C'est Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Quand les sages voulaient dire sur un rabbin qu'il est un grand connaisseur dans Ichot Trefot, il disait, bah, qui Rabbi Yochanan bitrefot? Rabbi Yochanan,
connaissait le corps de l'animal plus qu'un vétérinaire, plus que tout ce que vous voulez. Et il savait dire tout ce que les halakhot que Rabbi Yochanan était d'accord avec. Alors Rabbi Yochanan, dans ce cas, c'est très intéressant, il a mentionné Rabban Shimon ben Gamliel. Et lui, il était d'accord avec lui. Parce qu'il a dit qu'il a vu certainement cette glaire. Il a vu que ce que là, alors il a dit. Alors Rabbi Ria Baraba, il a dit pas du tout, moi. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Il a dit, comment ça se fait qu'ils ont dit en notre nom cette chose? Amarle Anna, en alacha amre. Alors maintenant, lui, il nous sait maintenant un vrai problème. Parce que nous, il a dit au nom de Rabban Shimon, de Rabbi Yochanan, que l'alacha. Et comme Rabban Shimon Gamliel, quand il vient chez le petit-fils, il dit, et notre père, il a dit toujours, en alacha qui Rabban Shimon Gamliel. C'est fou. Le et en araméen, in, ça veut dire oui. En, ça veut dire non. Certainement qu'il a dû dire en alaha ki rabban shimon gamliel. L'autre, il a dit in, oui, alaha ki rabban shimon gamliel. Il a dit non, nous on a dit en alaha. L'alaha n'est pas compris. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils sont rochechim. Cette glaire, elle va être diluée, elle va tomber en fin de compte. Contre, on a dit que alaha ki rabbi shimon, avec le dernier Shmuel, comme on a mentionné, dans plusieurs endroits, Alakha Kedivre Hamakel, on a dit ça dans Daf Yutret, c'est dans Maseret Yehudim aussi, c'est plus bon. Toujours quand on a un débat dans Ilkhot Avelut, Alakha Kedivre Hamakel. Bon. Maintenant, on amène une autre braïta qui va nous faire une séparation entre le deuil de son père et de sa mère. Et le deuil des autres proches. Alors, il nous dit comme ça. Il faut savoir que il faisait attention déjà à l'époque du Talmud de ne pas laisser l'homme longtemps sans enterrement. Aujourd'hui, on a la mort de. Aujourd'hui, il y a le système du lavage du défunt qui est totalement différent d'avant. Aujourd'hui, on le nettoie avec l'alcool. On a des tuyaux. Aujourd'hui, quand on a... Je m'excuse que j'explique, mais il faut le savoir. Aujourd'hui, quand on a un défunt, prenne un tuyau d'eau avec un jet assez fort. Il faut rentrer d'en bas. À l'intérieur pour laver les intestins, l'estomac, il vide tout, que ça sort de l'eau propre, sauf s'il y a un cas de saignement, la personne était malade, là pour ne pas raser shalom le sang du mort, etc. avec voix, donc ils font attention. Mais si il est le corps il est en bon état, la personne n'avait pas de maladie en bas, il faut rentrer un tuyau d'eau. Et doucement, doucement, il lave, il faut rentrer de l'eau tiède. Rien que quand l'eau elle sort propre, ils comprennent qu'il n'y a plus rien dans l'estomac. Et c'est ça la raison pour laquelle le mort, il n'y a aucune odeur et c'est propre complètement. À l'époque, il n'avait pas ces moyens pour laver de cette manière. Il n'y avait pas tellement d'eau à portée de main. Et malheureusement, un corps, ça sent mauvais, ça, vite, ça va très très vite. C'est comme de la viande qui est dehors, surtout que quand tu n'as pas traité l'intérieur du ventre, les organes, elles agissent comme elles agissent. Alors, c'était vraiment pour eux, de là est venue cette urgence terrible d'enterrer le ventre. Et il faut comprendre d'où les coutumes elles sont venues. Pourquoi dans le Ham Israël, hein, ils n'attendaient pas, ils ne faisaient pas beaucoup de expédits. Ils disaient toujours « Kvodamet ». Ça dépend comment il est le kavodamet. Aujourd'hui, quand on a des morts, que le mort il est dans de bonnes conditions, où le processus est fait bien, alors oui, il faut faire comme on a vu avec Yaakov Avinu. Voilà, on a une preuve de Yosef HaTzadik. Avec Yaakov Avinu, Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé logiquement. Son papa lui a dit de l'amener en Eretz Israël. Yosef, c'est vrai,
Yosef, comme enfant, il n'est pas là pour dire que son papa, c'est un tzaddik et que son corps ne va pas se détérioriser. Il ne va pas avoir de dégâts. Yosef a dit que ce n'est pas son rôle à dire ça. Il a dit, papa, il a voulu être enterré en Israël. Si je l'amène 6 jours dans la chaleur, ce ne sera pas bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'ordre d'embaumer son papa. C'était le Shem Shamayim. Même que le Midrash nous dit, il y a un Midrash qui dit que Yosef HaTzadik a été puni parce qu'il a embaumé son papa. Pourquoi? Parce que quand les Égyptiens, ils embaumaient justement, ils enlevaient tous les organes et la partie interne du corps. Pourquoi? Parce que quand tu laisses l'estomac dans le corps, l'estomac, c'est normalement plein de microbes, des ferments. Il y a plein d'acides qui font tout fermenter. Donc, tu ne peux pas faire l'embaumage. Tu es obligé d'enlever l'estomac. Alors, il y a Yosef HaTzadik, il y a un midrash qui dit qu'il a été puni, que sa vie, elle a été raccourcie parce qu'ils ont fait ça pour son père. Pas tout le monde qui est d'accord avec ça, parce que le pshat du pasouk, ça a été fait pour le caveau de Yaakov, pour le transporter bien en Israël. Donc, il a été embaumé. Et donc, de là, on a un sous-entendu de là. Que quoi? Que si l'état du corps, il est bien, on peut se permettre un retard. On peut se permettre. On a une anaga clalite, une anaga pratique. Si tu vas dire, par exemple, comme en France, les gens sont en vacances, en mois d'août, on leur annonce au goyim, ils ont perdu le père ou la mère. Leur patelin, ce qu'ils disent, laisse-nous finir les vacances, on va venir, on finira le deuil. Ils laissent le corps, il peut rester à la morgue pendant 2 semaines. C'est pas beau non plus. C'est un vrai zizoul. Il faut trouver le juste milieu. La Gemara nous dit que pour Rabbi Yehuda Hanassi, pour son kavod, on a retardé son enterrement de quelques jours. Moi, il devait avoir... Rabbi Yehuda Hanassi était très riche. Dans la maison de Rabbi Yehuda Hanassi, ils avaient des moyens pour bien nettoyer, etc., pour entretenir bien le corps. Donc, ils ont attendu quelques jours pour que tous les hommes de la Torah d'Eretz Israël puissent assister dans cet enterrement. C'était le plus grand enterrement qu'il y avait en Eretz Israël. La Gemara dans la Seret Ketubot, elle détaille en long et en large l'enterrement de Rabbi Yehuda Hanassi. Même ils ont déclaré, là, dans cet enterrement, il n'y a pas de Toum'at Met pour cet enterrement. Comme ça, ils ont déclaré les élèves. C'est-à-dire, même les Kohanim, ils sont approchés de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est fou. Alors, comme maintenant, je reviens à l'idée, comme eux, ils n'avaient pas de moyen de nettoyer bien les corps, la Gemara donne une expression presque, elle dit, tu pousses le mort dans son trou. C'est une phrase dure pour te dire à tel point c'est important de ne pas laisser le corps sans enterrement. Alors regardez, on est à 3 lignes d'en bas dans les lignes larges. Al kol hametim kulam madchei mitato. Il pousse le lit, ça veut dire il fait vite pour le faire sortir de la maison et d'aller l'enterrer. Arezem shubar al aviv et al imo arezem gune sur son père et sa mère. C'est mégouné. Pourquoi? Parce que comme s'il veut s'en débarrasser. Il veut vite finir. Il dit non, fais kavod. Si c'est écrit, la Gemara dit, mais si c'est Erev Yom Tov ou Erev Shabbat, Areze Meshubar. Il y a une autre version qui ajoute, s'il y a aussi de la pluie qui tombe sur le corps, sur le lit. Alors, le Bar, ici dans les Agarot à Bar, et les Rishonim, ils ajoutent ça, que s'il y a eu de l'eau qui tombe sur la chose. Pourquoi? Alors, le Bar, il dit, très intéressant, le Bar, il dit que s'il y a eu de la pluie, c'est un siman de tzadikim. Vous savez que quand on enterre quelqu'un,
et il pleut dans son enterrement, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort en mois de janvier, février, d'accord ? Mais quelqu'un qui meurt dans un endroit, dans un moment où ce n'est pas toujours la pluie, il y a eu de la pluie, ça veut dire que c'est un grand tzaddique. Ça veut dire que même le ciel pleure pour lui. Donc, c'est un avonot qui aurait été nimchalim, donc on n'a pas besoin de retarder son enterrement, on l'enterre tout de suite. Mais c'est bizarre l'argument que le Bach dit là. Le Bach dit que s'il y a de la pluie qui tombe, allez, enterre-le vite. Pourquoi enterre-le vite ? Adrapa ! Moi, je pose une question très simple. Pourquoi enterre-le vite ? C'est-à-dire que c'est un tzaddik. Si c'est un tzaddik, il faut faire un grand respect pour lui. Il mérite qu'on parle de lui. Pourquoi tu l'enterres vite ? Moi, je pense le pchat à pachout. Sans tourner comme ça, faire des pilpoulim. Très simple. Il y a de l'eau qui tombe sur un corps. Au moment même, ça lave. Mais quelques minutes après, dès que le soleil va sortir, ça commence à sentir mauvais. L'eau, le contact de l'eau avec le corps qui fermente, ça fait un mauvais truc. Ça aide plus vite. Quand vous avez de l'eau qui tombe sur quelque chose qui est pourri, ça accélère encore plus. Alors, c'est pour ça qu'ils ont dit « Ayugi shamim, mezalfim agabe mitato ». C'est pas qu'un mode pour le niftar. Non plus, il y a des fois, ça lave et ça fait sortir des liquides et c'est pas beau. Arezé, alors c'est ce qu'ils disent. Arezé, meshubar. Chez non, c'est Ela lichod aviv. Alors donc, la Braïta, elle nous a donné déjà une différence entre son père et sa mère et les autres défunts proches. Alkola metim kulam, sur tous les niftarim, ratza memaet beisko. Ratza et non memaet. C'est-à-dire, il y a une différence entre une melacha et une sechora. Le Tosfot, regardez le Tosfot. Il y a le Tosfot ici qui nous dit comme ça. Regardez le Tosfot dans Dav Kavzayin, Amoud Aleph. Kavzayin, regardez Kavzayin. Je passe à Kavzayin, Amoud Aleph, qui est la source de cette braïda. Le Tosfot dit, qu'est-ce que ça veut dire Ratsa Memaret, Ratsa Lo Memaret. Vehi, il a un choix. Tosfot, il nous fait là-bas une distinction très intéressante entre du commerce et du travail. C'est-à-dire, un homme, par exemple, qui est menuisier ou qui est maçon, ce monsieur n'aurait pas le droit de travailler, ça c'est sûr. Sauf s'il est pour elle et il n'a pas de quoi manger. C'est ce qu'on a dit dans la Gemara et Tirulo Kedehaya, après le troisième jour de l'enterrement. Mais Sora, quelqu'un qui a un stock à la maison de marchandises, il y a quelqu'un qui vient qui dit, je prends le stock, je paye, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il ne se lève pas. Il n'a pas présenté le truc, il ne sort pas dehors, il a un stock. Est-ce qu'il n'aurait pas le droit ? Par exemple, un homme qui est en deuil, qui a des actions en bourse, il a des actions en bourse. Et il entend que les actions s'abaissent. Est-ce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans son téléphone et de placer son argent ? Voilà qu'il a le droit. Alors, Tosfot, il dit que tout le digne de Issour Melacha, il est sur de la Melacha Mamash, mais pas sur de la Sechora. C'est ce qu'il dit Tosfot. Et Rashi là-bas, dans Daf Kavzayin, il dit non, il ne s'agit pas, Rashi, il n'autorise pas la Sechora tout de suite. Il dit qu'il s'agit dans Davar Aved. Chazal lui en permet, mais s'il veut, il peut s'abstenir. Donc, ça, c'est ce qu'il dit ici. Alors, le pirouge de Tosfot, il est plus pachout. Parce que c'est bizarre que tu vas dire, tu vas autoriser à quelqu'un dans Davar HaAved, et sur cette autorisation de Davar HaAved, nous allons dire Ratzam et Maet, lo Ratzam et Maet. C'est trop tiré, c'est trop loin. Le pirouge de Tosfot, il est plus pachout pour l'accepter. Tosfot, il dit Sora, c'est moutard.
On lui dit maintenant, tu veux perdre de l'argent pour les parents? Ratsa me maet, ratsa lo maet. Val avi val imo me maet. Par contre, sur son père et sur sa mère, même dans le commerce, c'est pas que c'est interdit, mais il diminue. Il diminue. Même un broker, il est toute la journée sur son téléphone, il est obligé de répondre, etc. Quand il s'agit du deuil de son père et de sa mère, il est obligé de descendre sa dose de travail. Si on n'autorise pas ça, l'Oshavak travaille le rôle bien. Tout homme qui est PDG d'une grande société, etc., il a tous les jours des téléphones qui concernent des décisions. On bloque le contrat, on bloque pas le contrat, on vend, on achète, on fait ceci, on fait cela. Donc, mais Vadaï, que cette Sora, comme il dit Tosfot, c'est logique que c'est moutable. La Braïda continue à nous dire encore une chose. Alkol ametim kulam, ratza, choletz. Lo ratza, et non choletz. Eux, à l'époque du Talmud, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils perdaient le père ou la mère? Le Rambam, il a amené ça à la Khalemarasé. Les Juifs du Yémen, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la main. Ils prennent la main droite. Ils déchirent l'habit au niveau du haut de l'épaule. Ils font sortir la main de l'habit et la main est toute nue. Vous n'avez pas vu ça? Je me rappelle dans l'enterrement du Rav Ben Sion Abba Shaoul. Son fils, il a déchiré comme ça l'habit et il est sorti avec la main nue. Et Bémet, à l'époque de la Gemara, il faisait comme ça pour un deuil important. La Gemara a dit que quand Rabbi Yochanan il est mort, il y a eu 36 000 Haloutse Katef devant son lit. Ça veut dire toute la génération, ils ont senti comme si c'est leur père qui est mort. Donc, ils étaient Haloutse Katef. Et pourquoi on ne fait pas ça aujourd'hui? Alors, on a un Tosfot, Ri, pas ici, dans la Khalita de Katef, à propos de la Braïda dans Daf Kafzain, Ri dit, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les gens ne font pas ce minag de découvrir l'épaule pour le deuil de son père et sa mère. Alors, il dit, Ri, parce qu'eux, ils habitaient en France. Il dit, les goïms, ils vont se moquer de nous. Pour ça, on ne fait pas. Le Rambam, il a ramené ce minhag. Et c'est pour ça qu'il y a des communautés, comme les Juifs du Yémen, etc., qu'eux, ils font ça jusqu'aujourd'hui. Donc, je vous dis, ça, c'est Dina Digmara, Dina de Braïda. Et aujourd'hui, on ne le fait plus. Pourquoi? Comme beaucoup de choses qu'on ne fait pas, malheureusement, qui sont perdues avec le temps. Des communautés qu'eux, ils ne connaissaient pas. Et après, quand les communautés sont remuées avec l'expulsion d'Espagne, etc., ceux-là, ça leur paraissait bizarre parce qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et le minhag, il est parti comme ça. Puisque Ri, il dit, je ne sais pas pourquoi ils ont annulé ce minhag. Pourquoi ce minhag, on ne le fait pas en France? C'est-à-dire qu'en France, ils ne le faisaient pas. Il dit ici qu'effectivement, quelqu'un qui est en deuil, c'est très dur de rajouter sur lui une situation ridicule où les goyim pourraient se moquer de lui. C'est-à-dire qu'en fait, déjà qu'il est en deuil, et en plus de se mettre... D'accord, mais qui sait? Mais aujourd'hui, on est en Eretz Israël. Pourquoi les gens n'ont pas remis le minhag en place? On doit pouvoir revenir ici, oui. Aujourd'hui, d'après la raison qu'il a donnée aujourd'hui. Oui, mais même pas ça. Mais en plus, les juifs pendant 1000 ans au Maroc, partout, ils étaient dans les mélas, dans le ghetto. Les goyim ne voyaient même pas. Ouais. Pourquoi ils ne mettaient pas ça? Alors, c'est comme que je dis, c'est des minagim, comme le minag, par exemple, de Netilat Yadayim avant de toucher une olive. D'accord? D'abord, j'ai Tiboulob en Machke. Qui c'est qui fait attention à Netilat Yadayim? Tosfot, déjà, il se casse la tête pour trouver pourquoi les Juifs de France ne faisaient pas attention dans cette Netila. Ils picolaient une olive, un truc, et ils ne faisaient pas de Netila. Et il dit, un minag qui a été perdu, malheureusement.
Bon, alors la Gemara a dit ou maasé. Al kulam etin kulam retsa choletz, retsa eno choletz, al aviv va al imo choletz. Ou maasé bigadol ador echad shemet aviv, ou bikesh lachlotz. Ou bikesh gadol ador acher shimo lachlotz, ve nimna ve lo chalatz. Regardez ça, la finesse de l'époque des rabbanim. Il y avait un Gadol Ador, on va voir tout de suite, la Gemara va dire, c'est qui c'est Gadol Ador? Il y avait le Gadol Ador, il voulait découvrir toute l'épaule pour son père ou sa mère. Et il y avait avec lui un autre grand rabbin. Et le grand rabbin, il voulait montrer, il dit que si ce Gadol Ador, il enlève le pauvre, il enlève pour son deuil, il enlève la main de alors même l'autre, pour ne pas le laisser comme ça, lui aussi, il veut faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait le premier Gadol Ador que lui devait découvrir sa main? Parce que l'autre lui a dit, non, on ne te laisse pas faire ça seul, nous aussi on fait ça avec toi. Il ne voulait pas gêner l'autre, donc il n'a rien fait. C'est ça, il y a des on n'est pas tous. Voilà, il y a autre que ça même, c'est le macor pour lequel les gens ne font pas attention à cette halakha. Parce que par exemple, si le Gadol Ador, il était obligé de faire Kéria, de déchirer son habit, pour son père, pour sa mère, et puis les autres, comme geste de participer avec lui, dans le... ils auraient fait eux aussi. Est-ce qu'il aurait pu s'empêcher de ne pas déchirer pour qu'eux ne déchirent pas? Non. De là, on voit que ce minhag, certainement qu'il a compris que ce n'est pas un minhag fort comme l'obligation de faire Kéria. Maintenant, en parlant avec vous, c'est ce qui me monte dans la tête. Et ça peut répondre à la question de Ri. Ri, il a dit, je ne comprends pas pourquoi ils ont annulé. Quand il y a qu'ils ont compris que ce n'est pas la même chose comme Kéria. Ils étaient Mekidim plus. Amar Abaye, Gedol Ador, c'était qui? Rabbi, Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNassi, l'auteur des Mishnayot. Au Gdol Ador She'imo, c'est qui Gdol Ador She'imo? Rabbi Yaakov Bar Acha. Et il y a des âmes, il y a d'autres qui disent, non, c'est pas comme ça. C'est Gdol Ador, c'était Rabbi Yaakov Bar Acha. Et Gdol Ador She'imo, c'est Rabbi. Il y a un débat qui c'était parmi les deux. Mishlam Aleman de Amar. Gedol Ador She'imo Rabbi, Aynu de Nimna Velo Chalatz. Il a les mains de Amar, Rabbi Yaakov Bar Acha, Amay Nimna Velo Chalatz. L'Amar a dit, si tu dis que l'histoire, elle s'est passée avec Rabbi Acha Bar Yaakov, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que Rabbi Acha Bar Yaakov ne voulait pas humilier que Rabbi, qui était un ainsi de la génération, qu'il enlève qui déchire lui aussi son habit pour lui. Alors il s'est abstenu. Mais si tu me dis que la personne qui voulait lui découvrir son épaule, c'était Rabbi, et le Gdol Ador qui était avec lui, c'est Rabbi Acha Bar Yaakov. Pourquoi Rabbi s'est empêché? Arrête, tout le monde était obligé de faire ça pour le papa de Rabbi. C'est qui Rabbi? C'est le fils de qui? Le fils de Rabban Shimon. Rabban Shimon Gamliel, c'est Nassi. Tout le monde doit lui faire kavod. Alors pourquoi il n'a pas fait? Kashia, Bemet. Alors quand il a que la version, c'était quoi? La meilleure version, ce n'est pas que Rabbi, il voulait être Rolet et Rabbi Acha Bar Yaakov, il voulait lui faire une faveur et être Rolet avec lui. C'était Rabbi Acha Bar Yaakov qui devait être Rolet. Son papa n'était pas un Gadol Ador ou sa maman. C'est une bonne remarque, ça. Oui, belle remarque. Non, si c'est la maman de Rabbi qui est décédée. Non, c'est pas la maman, il dit Aviv. Ah, Aviv, ok. Aviv, non, on est obligé de dire Aviv.
Donc, si tu dis que c'est un livre, c'est son père et pas sa mère. Donc, on est obligé d'expliquer. On est obligé d'expliquer qu'il s'agit de Rabbi Acha bar Yaakov qui a perdu son papa, de Rabbi qui voulait lui faire une faveur, et de Rabbi Acha bar Yaakov qui s'est abstenu pour ne pas que Rabbi a besoin de faire ce geste. Mais si tu dis que c'était le contraire, que c'était le papa de Rabbi qui est décédé, Rabbi Acha bar Yaakov voulait lui faire une faveur, pourquoi il s'est abstenu? Tout le monde est chayav d'honorer le papa de Rabbi qui est Rabban Shimon, qui était un assis de la génération. Donc la Gemara a dit Kashia. C'est vrai, c'est une vraie question. Donc, on dirait que la meilleure version, c'est de dire que c'est Rabbi Acha bar Yaakov. On ajoute encore une halakha, d'une différence qu'il y a entre quelqu'un qui a perdu son père que quelqu'un qui a perdu un des autres proches, son père ou sa mère. Alkol, ametim, kulan, mistaper, le'achar, shiloshim yom, sur tous les morts, après 30 jours, il va chez le coiffeur. Al avi ve al imo, al chigaru bo havera. Son père et sa mère, jusqu'au moment, il a besoin de passer les 30 jours, pas moins de 30 jours, et chigaru bo havera, que ses amis lui font le reproche. Alors il faut savoir que le Rama, hein, le Rama dans Yoredea, il amène une halakha intéressante. Il dit que le minhag des Ashkénazes, il dit que le minhag des Ashkénazes était de faire 12 mois. 12 mois, il ne coupait pas les cheveux sur un père ou sur une mère. Pourquoi 12 mois? C'est intéressant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une guéhara artificielle. Elle ne vaut rien du tout, cette guéhara. Il y a les gens, les copains de celui qui a fait Shiva, qui a fait le deuil, ils lui attendent. Et dès qu'il a fini le deuil, les 30, le matin déjà, après la tefila, on lui organise 3-4 copains qui viennent et disent « Ah, psalat, tu dois couper tes cheveux, c'est trop long. » Et qu'est-ce qu'il a? Les cheveux poussent tous les jours 1 mm. Ce n'est pas remarquable. Un homme, quand il coupe ses cheveux, il va chez le coiffeur tous les combien de temps? Ce n'est pas un roi ou un Kohen Gadol qui a besoin de couper les cheveux une fois par semaine ou une fois par jour, on lui taille les cheveux. Donc, il coupe les cheveux. Surtout quelqu'un qui a une belle coupe de cheveux. Tous les combien de temps il va chez le coiffeur? Il va voir le coiffeur une fois par 3 mois, par 4 mois. Alors, le Rama, il a dit qu'on attendait 12 mois. 12 mois, c'est sûr qu'il est chargé de cheveux. Lui disent, tu as l'air d'un clochard, va te couper les cheveux. Mais aujourd'hui, cette halakha, hein, elle a changé. Pourquoi elle a changé? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rase la barbe. Les gens ne laissent pas de barbe. Et même les gens qui taillent la barbe, ils la taillent. Une barbe mal taillée, 30 jours, bien sûr qu'elle est mal taillée. C'est pour ça, hein, nous, on est sombrime aujourd'hui. À 30 jours déjà, on organise la barbe. Allez, va te tailler ta barbe, regarde comment tu as l'air. 30 jours, ça va dans tous les sens. Alors, ben, il y a un niveau, le niveau, on le voit, il est visible. Il est visible. Et c'est pour ça qu'on est Mekilim. Il faut savoir ce talara. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Alors, alcool, la médecine, kula mista perle, achar shiloshimion, al aviv et al imo, achi garo pochavera. Et ben, pour les haredim, les chassidim, par exemple, les chassidim, ils ont la barbe, ils ont les perrottes, ils ne touchent pas. Ils ne touchent jamais la barbe. Maintenant, eux, ils font toujours, ils rasent la tête avec la lame. Hâte que les cheveux vont lui pousser, ça lui prend 3 mois. Bémet, c'est une question. C'est une question. Est-ce que c'est pas nickel. On ne voit pas qu'il y a un niveau ici. Bémet, il ne faut pas lui dire après 30 jours de couper les cheveux. C'est ridicule de lui dire coupe tous les cheveux. Sauf s'il est kabbaliste, d'après les Mekoubalim. Tous les vendredis, ils vont chez le coiffeur, ils passent la lame sur la tête pour arriver à Shabbat propre. Ou celui qui est noé, que moi j'ai connu, Zichrono Livracha, Rabbi Avraham El Maliar, qui était notre voisin. Rabbi Avraham, tous les vendredis, il allait chez le coiffeur pour qu'il lui coupe. Le coiffeur, il disait chaque fois, qu'est-ce que je vais t'enlever? Et le Rambam, il dit, il faut toutes les semaines pour Shabbat, essaye d'enlever quelque chose. Et il lui a arrangé un peu, il prenait la lame.
il va ranger, lui tailler un tout petit peu la barbe. Mais toutes les semaines, il allait chez le coiffeur. Toutes les semaines, les Chavot Shabbat Kodesh. Alors, bon, alors des gens comme ça, Béhmet, c'est nicard. Dès que tu le vois avec un peu plus de barbe, tu vois, c'est un niveau, c'est pas beau pour lui. Autre halakha, qu'est-ce qu'il y a encore de différence entre son père et sa mère et les autres proches? Al-Kol HaMetzim Kulam Nichnas Lebet HaSimcha. Il a le droit de rentrer dans une maison de joie. C'est quoi une maison de joie? Serouda de Simcha. Et par contre, pour son père et sa mère, à la vie et à l'imro, que les Ahar Shnema Sadesh. Maintenant, on va voir c'est quoi les dinim de Simcha. Quel Simcha? C'est quoi Simcha? Misken, il n'a pas le droit d'être Simcha. Alors, Bémet, il faut savoir qu'est-ce qui est interdit pour l'endeuillé. Est-ce qu'un endeuillé, il a le droit de faire un resto avec ses copains? Est-ce qu'un endeuillé, il a le droit d'aller fêter un anniversaire au restaurant? C'est très fréquent aujourd'hui. Les gens, ils ont un anniversaire. Il y a le mari ou la femme, ils invitent 3, 4, 5 couples. Et ils sortent une soirée. Est-ce qu'il doit se priver de ça, l'endeuillé? La réponse, c'est non. Il n'a pas besoin de. Les 30 premiers jours, oui, il se prive. Mais après les shloshim, il n'a pas à se priver de ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Sirudat Mereout. C'est un repas d'amis. Ce n'est pas un repas de simra. C'est vrai, il a une joie de rencontrer ses amis. Mais ce n'est pas quelque chose qui va le faire lever et qui va le faire danser. Non. Ce n'est pas Sirudat Simcha. Sirudat Simcha, c'est autre chose. Et même dans Sirudat Simcha, ça dépend. Si c'est une Sirudat Mitzvah, par exemple, Nachnasat Sefer Torah, un Siyum HaSeret, il a le droit. C'est Simcha des Kadosh Baruch Hu. Ça n'ignore pas le kavod qu'il a par rapport à ses parents. Il a le droit. En fait, tout dépend de Minagim. Par exemple, le minhag de la majorité des communautés séfarades, c'est qu'à Pourim, il n'envoie pas de mishloach manot, il ne reçoit pas. Chez les juifs de Djerba et de Tunisie, d'Afka, il envoie un mishloach manot et il reçoit pour ne pas être betzar. Donc vous voyez, les minhagim sont partagés. Mais nous, encore une fois, la règle est la suivante. L'endeuillé jusqu'au 30, il ne va pas s'asseoir. Dans des repas qui ne sont pas la famille, le noyau familial, mamash. Plus que ça, c'est passé les 30 jours, c'est Seudat Mereout, Moutar, c'est Seudat Simcha, Asso, c'est Seudat Simcha, Shel Mitzvah, Moutar. Et on va voir, Bémet. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Alkol, Amaraba Barbarana, Ul Simchat Mereout, la Gemara dit quoi? Mais Ul Simchat Mereout. Et la Gemara dit pas vrai. C'est écrit Ul Simcha Ul Mereout chez Loshim Yom. Après la Simcha, c'est-à-dire que même une Simcha Stam pour quelqu'un de proche, on a le droit après 30 jours. Et bien mettre la halakha, quand on a deux versions, on est Mekel. La Gemara, dans la Hava Amina, elle pensait que quoi? Que une Simcha, c'est assur même après 30 jours. Un repas d'amis, moutard. Et la conséquence de la Gemara, c'est qu'après 30 jours, si ce n'est pas son père et sa mère, il a le droit d'aller où il veut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on tire de cette conséquence? Que même pour son père et sa mère, après 30 jours, on garde cette halakha, mais vers route, un repas chez des amis, un petit repas, où il n'y a pas de musicien, il n'y a rien du tout. Un anniversaire, il y a Hanukkah Bayit, il peut assister. Quand c'est une Seouda qui a de la joie, etc., là, il faut éviter pendant l'année.
Donc, demain, on continuera le sujet. Amen.